faire une petite intervention, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne dans le monde de la forme et la compréhension de ce qu'est le fitness. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire qu'on pour être en forme, eh ben, faut avoir des abdos saillants, des muscles saillants, etc., etc. Je vous dis tout de suite stop, faut arrêter, parce que en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on crée de la frustration. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont un ventre, qui ont du ventre, qui ont des formes, qui ont de l'embonpoint. Et ça, ça peut pas aller, parce que vous pouvez très bien avoir des formes, avoir du ventre et être en parfaite santé. Donc ne confondez pas, surtout. Être en forme et avoir de belles formes dans le sens esthétique. Parce que dans ce cas-là, vous allez être frustré. Et il faut savoir que j'ai rencontré des athlètes, au niveau, bien, je dis bien des formes athlétiques, qui effectivement avaient des abdos saillants, des muscles saillants, mais qui pour réussir tout cela, ben, qu'est-ce qui se faisait ? Ben, ils étaient endettés pour pouvoir se payer les produits qui pouvaient leur permettre d'avoir un corps comme ça. Ils étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas boire, ils ne pouvaient pas faire la fête, ils ne pouvaient pas faire ceci. Je ne dis pas que c'est un cas, une généralité, hein, mais j'en ai rencontré des comme ça. Donc, si c'est pour être malheureux dans sa vie, pour pouvoir être représentatif, dire, voilà, bah, t'as vu, j'ai des beaux abdos, j'ai des beaux muscles, je suis fort, je suis beau, je suis ci, je suis là, c'est pas la peine. Je veux dire, le fitness, c'est pas ça. Le fitness, c'est être bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa vie, pour pouvoir être un phare pour les autres et avancer. Voilà, c'était un petit intermède que je voulais présenter. Mais franchement, arrêtez ce cirque-là de dire comme j'ai des abdos, comme je suis bien, j'ai des muscles, eh ben, il faut me ressembler ou je suis une icône, regardez-moi. Cessez d'être dans Narcisse, soyez plutôt dans le bien-être, comme le sont certains sportifs, certains athlètes, certains champions de la vie, qui eux font ça pour leur plaisir, ça leur fait plaisir d'être comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit leur ressembler. Soyez vous, soyez bien, soyez heureux, soyez en santé. Faites du sport, allez courir, allez en salle, mais faites-le à votre niveau et acceptez vos formes. Acceptez qui vous êtes et comme vous êtes.